Dossier massacre Canaan, mesdames et messieurs, dossier gang dans le pays d'Haïti, dossier insécurité. Nous prenons le bon détail, nous prenons le fait où qu'on est. Eh bien, raison qui fait ouais massacre ça lui-même, les fêtes dans Canaan, et moun ou pas ta pensé, mesdames et messieurs, gen douet yo trempé dans massacre ça. Et dans vidéo ça, mesdames et messieurs, c'est Stanley Lucas comme toujours. Eh bien, monsieur Pralban nous toute vérité, vérité cachée qui gagne dans massacre ça qui fait dans Canaan. Côté franchement, pas de monde qui connaît combien de monde qui mourent. Ça, même la police, pas qu'on est. Nous pas baisser tête, nous mentir, pas de monde qui connaît, eh bien, combien de monde qui ont même victime. Et donc, il y a un massacre, ça, mesdames et messieurs, parce que, et des jours en jour, il y a une vidéo qui a sorti, des jours en jour, n'a pas plus de bagaille, mesdames et messieurs, des jours en jour, n'a pas gardé pour nous voir quantité de monde qui a boulé, quantité de monde qui a raché, quantité de monde. Eh bien, qui n'est pas gagné, mais jusqu'à présent, qui est kidnappé, ça a beaucoup touillé. Moun yon pile. Moun yon pile, franchement, nous pas connaître qui quantité yon. Eh bien, Stanley Lucas qui va le bon vérité gagne. Complication, Ariel Henry avec États-Unis, dans massacre ça. Et raison qui fait ouais, eh bien, c'est comme ça, ça passe. Pasteur Marco, est-ce que vraiment, monsieur, te connaît qui ça t'a pas passé dans Canaan? Bon. Le fait que vous connaissez, vous avez dans fief bandit, vous déjà maintenant tête tout, vous avez ça. Mais, est-ce que c'était dans piège, monsieur, mené Mounio? Est-ce que c'est livré, monsieur, livré Mounio? C'est une question ça, en pile, mon a posé, mais vous pouvez pas avoir une réponse. Eh bien, mesdames et messieurs, en temps de cause, vous pouvez le saisir, n'a pas tout. Nous saluons les DA et nous saluons tout ancien, alors tout auditeur. Très bien. C'est sûr que matin là où bon bagadi et où t'as tendu matin débat où sont fidèles auditeurs de l'émission matin débat et me partager en confidence en source et fait nous et pour nous capable pour nous permettre nous gagner on puis bon lecture de situation. Il est clair que ça qu'a fait là Stanley Lucas et Guajan Dadel et selon toute ça qui gagne comme tout seul sous table là, la pression bandit à la population pour le déplacer, quitter des lieux, quitter la caille pour la dormir en battant, pour la dormir dans la place publique. Il est clair que l'espace côté où il y a, il y a qui là, il y a qui est là, il y a qui a cherché. Je vais vous donner un côté dans le débat. Et bon vidéo qui montre clairement que depuis 2002-2003, une réunion secrète qui était faite dans l'ACMIC au Canada. Dans la réunion secrète, ça a été un Canadien. Oui, Stanley, mais parlez. Attendez. Alors là, mettez-le direct, mon capitaine. Relez direct sur téléphone et Delfort. Mettez-le direct là, puis bon, on allez. Ok, en attendant, nous sommes. Le même numéro. Nous avons député Gershon qui n'a pas parlé avec lui tout à l'heure. Voilà. Et qui t'a fait que nous là. Donc, mais nous avons appelé Stanley Lucas. Et justement, on va continuer la vidéo, ça, à côté que. Un complot qui a commencé, et c'est là où est parole qu'on groupe là. Et tu as commencé à parler donc, au Canada. Ouais. Donc ça dit qu'il y a quelque chose sur Haïti. Oui, en 2003, madame, monsieur. Donc ça dit qu'il y a un complot sous le pays. Mais c'est où? Où est-ce que tu es là? Formation qu'on groupe même. Où est-ce que tu es là? Haïti est piégé par ses propres fils. Et dit nous concocter, nous d'accord, nous planifier avec international là, complot. Exécutant, c'est nous-mêmes. Exécutant, c'est nous-mêmes. Contre Haïti, madame, monsieur. Qui moun jodi a la kabay Haïti problème là? Planifié par les blancs, exécuté par les noirs. Par les haïtiens en fait. Sonne, ok. Sonne, il est venu. Sonne, vous mettez le nous. Ok? Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est encore des haïtiens, c'est encore nous-mêmes jodi a qui fait partie de complot et c'est nous qui avons exécuté complot donc pour l'international. Depuis 2003, je vais continuer la vidéo ça. On groupe blanchi dans le Canada et puis on prend une décision pour le pays. Yo dit, yo va monter encore groupe pour Haïti. On a descendu. C'est ça. Donc, en janvier 2003, yo te fait réunion, son réunion secrète qui fait dans l'ACMIC au Québec, Canada. Objectif réunion, c'était pour suspendre
souveraineté nous avec indépendance nous. Parce que depuis à l'époque, on fait de élite globaliste corrompue. L'élite globaliste a eu besoin d'une volée, ça combattait le pays d'Haïti. Il y a des bagailles que nous connaissons qui existaient, il y a des bagailles que nous ne connaissons que nous connaissons qui existent. En bataille, nous avons bauxite, nous avons cuivre, nous avons l'eau, nous avons iridium, nous avons gaz naturel et nous avons des bagailles qui sont les terres rares. C'est avec terre rare là que vous faites chip pour téléphone à computer. Ça avec lui tout, vous faites semi-conducteur, calin fou, frigidaire, tout appareil électronique et militaire. Et bien nous récemment, en quantité. En quantité. Et récemment, nous venons découvrir que dans la zone métropolitaine, il y a un cobalt. Cobalt, oui. Paquet de mon hôpital. Ça veut dire que ça nous gagne en bataille aussi riche que ça a gagné. Ça veut dire que. Nous venons de dire que nous chitons à peu près 200 à 300 milliards de dollars américains. En bataille, nous. Quand il y a blanc qui fait partie de l'élite globaliste corrompue, mais qui a un modèle qui a développé pour venir voler aux ressources naturelles, pays et un coup de l'inouï. Par exemple, nous avons servi avec Rwanda, nous avons financé un gang qui est dans le pays Congo, qui est le M23. Pendant que nous avons mis instabilité dans le pays Congo, nous avons volé tout ça en bataille et puis mon Congo était dans la pauvreté. Donc, les nègres viennent avec un modèle ça pour suspendre souveraineté nous en tant qu'haïtiens. Nous même sommes haïtiens qui viennent, nous avons notre passeport. Donc, nous avons commencé à gommer et quand nous avons pays, nous commencé à gommer. Les nègres ont un niveau de résistance qui vient, nous avons allons bas. Blanc, Blanc yo retourne encore après 2010, après le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, bon sénateur américain, nèg yo fait écrit un éditorial dans Miami Herald le 12 mars 2010. Dans l'éditorial là, il dit fuck yo, met Haïti sous tutelle, retirer souveraineté avec indépendance li. Et à l'époque, il dit fuck yo, te mettons ancien président des États-Unis, gouverneur pays. Yeah, à l'époque, moi-même personnellement, de répondre sénateur ça, je dis mon cher, c'est blondier, sorti là, pas une question que vous avez mis de souveraineté à indépendance pays nous, et sous-côté. Ça n'a pas gagné là-dedans pièce. Et pour jeunes étudiants qui ont fait recherche dans le domaine ça, pour jouer ça, de répondre sénateur ça, et vous avez aller sous Google, marquer Open News, Stanley Lucas. Il y a des réponses de la sénateur en anglais en mars 2010. Sénateur Saha, c'est président de la Commission Affaires étrangères du Sénat, Jean Jodia, le conseiller président Biden. Donc, nous avons retourné encore, côté nous voir, nous avons clair. Pour moi-même, dans le blanc qui participait pour tout le président Jovenel Moïse, ensemble avec Oligakio, Jovenel Moïse, non seulement il représente un problème, oligakio qui c'est prolongement blanc pour puis ça dans pays a mais vous venez tous les présidents parce qu'il t'a renforcé capacité l'état parce que sous gain l'armée n'est pas qu'à venir voler son gain sous territoire n'est pas appelé nous bâtir la mer et pour ça conseil de blanc corrompu qui pas appelé nous bâtir la mer nous pour nous pas gain contrôle territoire national là donc couria ça vient arriver les nèg fin touyer président Jovenel Moïse nèg retourné à projet encore c'est faut pas oublier que c'est président Jovenel Moïse qui était ministre d'ailleurs des soldats des Nations Unies dehors en octobre 2017 et 18 novembre 2017 qui va commencer à bâtir la mer pour garantir l'intégrité territoire national. Donc, et président Jovenel Moïse était mettre soldats des Nations Unies dehors pour 5 raisons. Premièrement, parce qu'il était là avec le choléra qui touillait 12 000 Haïtiens, c'est grâce à des universités américaines. Qui, avec le rapport scientifique que vous faites, montre que c'est vous-même de la Nations Unies qui a eu choléra dans le pays avec tout 12 000 personnes. Vous n'avez jamais payé 1200 000 personnes. 100 000 personnes qui tombent, vous n'avez jamais payé comme réparation. Alors que les blancs tombent dans leur pays, vous payez chaque famille blanche 12 000 dollars américains. Et vous avez la vie de la vie pour nous. 18 000 dollars américains par famille blanche. 12 millions. Et la Libye,
c'est tout lié à peu près 120 ou 130 blancs. Yo bay chaque famille blanc ça a 12 millions de dollars américains. 12 millions. Nous même yo touye 12 millions moun pour nous, yo beaucoup bay famille 12 millions moun ça on goût. Deuxième raison qui fait que président Jovenel Moïse c'est des soldats Nations Unies dehors en tant que gouvernement constitutionnel. Soldats blancs yo fait cas des actes sous femme garçon à moun nan pays. Mais yo aller sans juger. Jujoune jodi a 13 ans après Louko, pas une famille qui victime de crimes sexuels que Nations Unies jamais payé réparation pour yo dans le pays d'Haïti. Oui, c'est vrai. Ça fait du racisme systémique total. Et puis, troisième bagaille qui fait président Jovenel Moïse, mettez au 2 en octobre 2017, mais qui a fait coup d'état pour Soubréval et 6 ans de pays, t'es qu'on représentant qui était en dans la ligne, c'est commencé à ranger l'école pour la parer coup d'état. Président Jovenel Moïse mettait le dehors. Persona non grata. Ouais. Quatrième raison qui fait que les présidents mettaient au dehors, soldats Nations Unies tapent 20 gangs Cité Soleil. Ça. Et cinquième raison, négligence dans la corruption. Pour y aller, les gens qui ont tué président Jovenel Moïse, depuis juillet 2022, les gens ont un agenda fourré dans le bord genou pour intervention militaire. Pour vous, dans le même agenda pour voler sa combattre. C'est exactement ça que j'ai dit matin là. C'est ça. Et vous avez remarqué pendant 25 mois qui sont passés là, un colonel l'armée et un général l'armée, un général de brigade l'armée qui font discours dans Nipana. Nous avons dit que si Blanqui dit que les hommes du pays d'Haïti veulent aider nous tout bon, ben nous deux hélicoptères de combat, ben nous 15 chars d'assaut, ben nous trois speedboats qui mitraillent 50 sous yo. On fait des petits armes qui partent en pile loco sur 80 et 100 millions de dollars américains. Ouais. Pendant 25 mois, non seulement blanc refusé bail là, mais noir la police. Zam pour craser gagno, 85% zam que gagno à balle que gagno pour se voir sorti Florida. 10% sorti Saint-Domingue, 5% sorti en République Dominicaine. Donc c'est dans ce sens-là que le peuple a dit que blanc yo gon complot pour mettre le chaos en Haïti. Donc les négio refusé ben nous toutes âmes ça yo yo même dit Ariel qui a collaboré avec yo qui va représenter nous c'est plus intérêt que Ariel représenter avec oligarque yo yo dit Ariel pas mettre la mer dans boumé contre nous. Donc je vous dis à lui clair que ça fait dans Kafou feuille là ça fait dans Canaan son complot planifié organisé coordonné mon qui met tête complot ça pour fouler et Kenya dans gros genou, nous pas besoin Kenya, gen Ebola Kenya, gen Marbou, gen fièvre jaune Kenya, nous pas besoin Kenya. Nèg qui organisé ça sous feuille là. Pourquoi imagine nous obligation l'on dans l'état et député raconte ça bien, l'on dans l'état ou son haut fonctionnaire de l'état comme mm-hmm. député, comme sénateur, comme ministre, comme premier ministre. Mm-hmm. Chaque fonction occupé en dans l'État, il y a des obligations et devoirs constitutionnels. Par exemple, député a devoir constitutionnel, lui, c'est pour faire loi, c'est pour contrôler l'exécutif, pour faire rapport de contrôle. Bon, c'est des bagages, c'est obligation qu'il gagne. Et puis, surtout, l'on a exécutif, là, les gens peuvent en danger, qu'après les emmouer, il y a boulé nous, il y a boulé caille nous, il y a touillé nous, ou bon devoir et une obligation constitutionnelle qui est associée à premier ministre, là, qui est associé à ministre de la Justice, qui est associé à directeur général de la police, qui est associé à ministre de la Défense. Nous pouvons expliquer ça à Bode. Ni nous-mêmes, ni moi-même, ni pas les laïcs, qui ont coûté laïcs, nous connaissons les sensibilités populaires, yeah. Nous connaissons ça, ça nous sommes dit là, qui est les obligations constitutionnelles. Quand on est là, aux États-Unis, on fait 911, la police débarque sous en 3 minutes parce qu'on est en danger. 3 minutes. C'est pour ça qu'on était là. Yeah. Donc, je vais vous dire, expliquez-moi, et pour LB, une bonne explication ça. Est-ce que c'est Ariel qui bat l'autre pendant 10 jours, pas pour te secouer à mon cafoufé? Deuxième bagaille pour DGA, expliquez-moi. Comment se fait-il, les bonnes manifestations qui ont fait contre Ariel, les manifestations sorties pour prendre direction primation, c'est de l'autre côté, mais ils ont dit, pour maîtriser manifestations et gagner manifestations. Et pourtant, les bagailles la fête canarin, yo d'où yo perd du contrôle fidèle yo. Ouais. Avec indiqué, dans chaque passé qu'a fait là, chaque passé dans canarin,
son bail organisé, planifié et organisé pour un grand bagage. Parce que en criminologie, en droit, les gains crimes qui fait dans le Cafoufeuille, dans le Canaan, première question qu'on pose, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Nèg yo fait exprès de tuer Mounio pour build-up momentum par rapport à la réunion Conseil de sécurité des Nations Unies par le fait le 15 septembre, là, pour que Kenya ait un bon parce que nèg yo fait résistance en dedans pays. M'bagon sous détendre, et là, vraiment, c'est un Lucas Bravo. Par contre, tu t'étais des matins débat pendant semaine ça, moi t'ai dit que absolument. Moi t'ai dit que nous parlons que une série d'événements qui va passer dans le pays avant le 15 septembre parce que quand même il faut trouver un justificatif pour question pour question force là. Oui, ou pas le saisir ouais, excusez-moi Stanley Louko. Ou pas le saisir dans la période ça. Stanley a pas là en même temps. Oui Stanley, excusez, ou pas le saisir dans la période ça. Et ka kidnapping yo pral augmenter plus oui frère. Ouais ça passé là dans Canaan. Il ouais. Pas rien devant ça pral fait. Non pour justifier et venir force là frère. Et de deal le matin débat. Ça pas rien non men. Et qui c'est 1000 moun qui pour mourir. Ah bon cher. 2000 moun qui pour mourir quand même. Y a mourir quand même. Il faut les yo faire men. Nèg ici trois coquin. Il faut trouver un justificatif pour force ça venir dans pays. Et garde un bagaille pour étudiant relations internationales. Regardez de juillet 2023. Les nègres ont commencé dans l'agenda pour l'intervention militaire que nous parlons dans le gorge nous. Gardez-vous, les auditeurs, vous avez besoin d'étudiants en droit ou en sciences politiques ou en relations internationales pour ça. Chaque fois, par une réunion, conseil de sécurité, oligarchie à gouvernement, augmente le volume de la flamme de la société. Gardez-vous, de juillet 2023 à août, juillet 2022 à août 2023. On a 13 mois ça, chaque fois. Pour ça, nous articulons une nouvelle liste publiée. Ambassadeur Canada dans les Nations Unies, l'IPE traité peuple haïtien de ridicule parce que peuple haïtien pensait que bon parti dans la communauté internationale là, qui travaille avec l'élite globaliste corrompue pour venir voler sa campagne et occuper le chaos en Haïti. Donc, ce qui dit, si blanc vous voulez aider nous, solution n'est pas compliquée si blanc vous voulez aider nous. Numéro 1, nous-mêmes en tant qu'haïtiens, ce n'est pas accord Montana qui s'est coup d'État pour blanc, ou bien accord Sali public qui s'est coup d'État blanc à Paris, et blanc bon coup d'État qui l'a parlé avec Montana, il y a l'autre coup d'État à CT, il y a un coup d'État à ça. Ça n'est pas bail nous. Je vous dis, si nous voulons sortir côté Nia, nous devons mettre sous table là. Trois noms de monde qui est premier ministre. Dans trois noms ça, qui nous mettons sous table là, nous devons joindre cinq caractéristiques la caille. Numéro un, qui n'est pas blanc. Numéro deux, qui n'est pas oligarque et qui n'est pas resté avec oligarque. Numéro trois, qui n'est pas impliqué dans la gang ni dans le président. Numéro quatre, faut que nous ayons courage pour prendre les décisions nécessaires pour la nation. Ce qu'on a peut mourir ou pas rentrer dans ça. Numéro 5 qui ont minimum d'expérience dans l'État pour que ça doit être fait. Kouya, les nous qui mettent trois noms ça sous table. Gon critère ou pas mettre non sous qu'on est ou peut tuer moun. Donc, pas entrer dans la bataille. C'est ça. Ça est correct là-dedans. Parce que, dans la deuxième étape là, lorsque nous montons premier ministre avec nouveau gouvernement, au fond stratégie intégrée, côté ministère de la Justice là-dedans, CSPN là-dedans, ministère de l'Intérieur là-dedans, ministère de la Défense là-dedans, commandement de l'armée là-dedans, commandement de la police là-dedans, service d'intelligence là-dedans. Où il y a l'offre montée stratégie intégrée ça, où monte une unité spéciale de 3500 hommes, qui est là-dedans 2500 policiers à 1000 soldats. Où il y a l'entraînement qu'il faut. Que blanc veut bon âme, que blanc pas veut bon âme, ou entrer dans la Banque centrale ou prendre 100 millions de dollars américains. Ou aller soit Afrique du Sud, soit Brésil, soit Argentine, soit Israël, ou bien Corée du Sud, deux hélicoptères de combat ou besoin, ou acheter, ou acheter un drone, ou acheter trois speedboats, ou acheter 15 chars d'assaut, soit besoin, ou acheter, ou mener une unité spéciale de 3500 comme ça. Ou y a l'unité à faire un entraînement nécessaire pour besoin pendant 21 jours, pour qu'on ait toute petite technique pour aller à la grâce des gangs. Ou mettez dans la unité spéciale ça, commissaire Ernest Muscadet. Et vous dites, monsieur,
tout côté gain problème dans Port-au-Prince sans côté gaz à 100 grain de travail au gain de sirop. Et puis pour que sortez dit aller à Louko, l'on commence à tuer gang. Pour commencer à gagner à cravate d'abord. D'abord. Et pas gagner à sa patte ou à commencer en vano. D'abord. De vous quitter gagner à cravate, il y a remisé gagner à sa patte. Pour commencer à gagner à cravate. Eh bien. Pour les rapports, vous n'êtes pas venu dire quoi tuer ou à faire massacre. Parce que des droits humains. Nous connaissons trois organisations de droits humains qui n'ont gang. Capral d'où c'est massacre ou à faire l'opin gang. L'opin a fait ça. Ou faire trois représentants de la Croix-Rouge internationale qui. Chaque fois qu'on allait faire opération, on menait avec eux pour monter ces gangs en crasé. Nous les droits et pour le presse en moins de 4 mois. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Donc, moi-même, je pense que je ne veux pas dire bon parti dans blanc, il y a tout blanc. Bon parti dans blanc qui dans la communauté internationale là, qui a besoin de venir prendre tout ça comme barrière et quitter nous dans la pauvreté. Nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, y compris qui Jean, dit le fait au niveau international, si Blanc veut venir, il dit bon, c'est moi qui ai tout équipement et capacité pour exploiter des sacs en bataille. Bon, d'abord, 25, 20%, et 80% pour le pays. Nous n'avons pas de problème. Mais la question, on va mettre des gangs, on va mettre des stabilités dans le pays, on va voler tout ça en bataille, et pour quitter nos pauvres, les boules, ça ne va pas passer. Là, c'est clair. Là, c'est clair. J'ai entendu, on sait des leaders politiques là. Qui fait fonction, qui fait ceci, qui fait cela, c'est que vous cachez en battable. Monsieur, on est en tant que leader politique, en tant qu'ancien parlementaire, ou pas qu'à prendre position. Pour payer, dans le moment ça, retirer le corps sur le terrain politique. Il faut que vous courage pour une défendre. Merci à Bill Sonley. Merci à Bill. C'est moi qui remercie Louko pour tous les jeunes qui veulent garder ça, nous écrit, nous avons à peu près 23 qui nous écrit. Et il y a un nom sur www.papillon24.com, papillon24.com. Et puis, monsieur Soubanel, là, faut moi remercier courage, nous, parce que nous prenons de gros risques pour payer. Yeah. Et c'est pas facile le travail qu'on a fait là. Il y a un job là. Et si bagaille qui nous fait dans la section midi et demi, une heure, très important pour aider malheureux qui ont souffert. Parce que je dis, je ne sais pas si je vais vous quitter là vendredi, amen. Je ne sais pas qui vient dans l'émission là, amen. Avec petit fils qui prend balle, je ne sais pas même si je vais aller à l'hôpital. Donc moi-même, je dis deux mondes merci. Je dis à l'hôpital Bernard, je dis merci. Et je dis tout, et on a autorité dans la santé publique, merci. Et parce que nous avons une sensibilité populaire. Je dis à l'hôpital, je vais vous quitter pour vous quitter dans le même. Merci en pile, merci en pile. Bon, c'était donc Stanley Louka. Vous avez dit n'importe quoi vous de Stanley Louka. Laissez le seul. Monsieur, c'est on est qui a un profil d'un nationaliste. Et monsieur clair sur ça. Et d'ailleurs, son monde de conviction. Et le dossier de Jovenel Moïse, je ne pas, j'aime la gueule parce que il était bien moule à Jovenel et Jovenel était bien moule partout. Madame, monsieur.